Du coup, je me suis dit que what a better time to prank him. En plus, ça fait grave longtemps qu'on ne s'est pas pranké, lui et moi. Je trouve que ça fait, je crois que ça va faire un mois ou plus, je sais pas. Bref. Donc, et du coup, je me suis dit pourquoi pas le pranker maintenant, là, tout de suite, juste avant de commencer. Mes boucles d'oreilles ainsi que mon collier, les liens seront dans la barre de description. Vous pouvez aller vous les procurer si vous voulez. Ma coiffure, je l'ai fait toute seule. J'ai fait un tuto sur ma chaîne personnelle. Il y a le lien aussi dans la barre de description. Bref, donc, comme vous avez pu le comprendre dans le titre de cette vidéo, du coup, je vais le pranker en lui faisant croire que je lui ai acheté la PS5 pour Noël. Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Je vous explique. J'étais du coup sur Snap, sur Instagram. Pour ce que je raconte Snap. J'étais sur Instagram et j'ai vu que il y a le nouveau filtre en fait pour la Play 5 en fait. Je vous montre, je vous le mets juste ici, de toute façon vous allez voir de quoi est-ce que je parle. Et du coup, voilà, comme vous pouvez le voir en fait, la Play 5 en fait, ça apparaît devant vous en fait. Du coup, on peut le mettre sur la table. Attendez. Parfait, je suis trop contente parce que ça a l'air trop réel. J'ai réussi à prendre une bête de photo en plus. Donc là, comme vous avez pu le voir juste ici, du coup, en gros, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, en fait, c'est un filtre sur Instagram en fait qui fait apparaître la Play 5 à la maison comme si tu l'avais offert en fait à quelqu'un. Or, pas du tout. Franchement, j'ai l'eau qui m'a le cœur parce que je me dis, il va vraiment croire et après, il va voir en fait que je suis pauvre. Grave mort de rire. Anyway, donc là en fait ce que je vais faire c'est que quand il va finir de prendre sa douche et que il va me dire que ouais il a bientôt fini et tout, il est prêt, parce qu'en fait on est censé tourner des vidéos aujourd'hui, bon, je vais commencer par le franquer et du coup et tout, je vais lui dire ah ouais je t'ai envoyé un snap et tout, regarde. Et il va ouvrir, enfin le Instagram story, il va ouvrir du coup ce que j'ai envoyé et je suis sûre il va courir ici. Il va dire c'est quoi ça? Il va dire c'est où? Enfin il va péter un câble, il va être grave déçu. Enfin j'espère qu'il va pas trop mal le prendre. Bref les amis, j'ai assez parlé pour le début de cette vidéo. Vous savez quoi, regardez juste la vidéo et j'espère qu'il ne va pas me tuer. Croisons les doigts. Dans tous les cas, mettez Team Dahlia dans les commentaires. Team Dahlia, Team Dahlia, Team Dahlia. Team Dahlia dans les commentaires. Parce que, period, I'm the best. Et je reviens avec les pranks parce que là, ça fait trop longtemps. Je vais les laisser tranquille. Je vais pouvoir bien m'embêter maintenant. Donc, on commence. J'ai mis le carton juste devant. T'as du poids? Comment ça va? C'est quoi la photo que tu m'as envoyée? Bah, c'est ton cadeau d'anniversaire de Noël, pardon. Il est où la plaie là? Je l'ai rangé pour que tu le trouves. Charge bien. Charge bien. Bah, je vois rien là, tu me charges bien. Charge bien. Oh, tu me fatigues! Bah, c'est l'exotage d'appel? Ouais, je te fais m'appeler pour anniversaire, tu me dis même pas merci. Si, hein, déjà, elle me crie, oh, tu m'as fait peur. Tu me dis même pas merci. Ok. Elle l'a fait. Mais du coup, t'es content ou pas? Bah oui, je suis content, d'ouf. Elle est où? Pas besoin, je crois que j'ai pas la taille pour arriver là-bas, personnellement. Et je l'ai caché en fait, pour que tu puisses la trouver, il faut faire une énigme. Ouais, vas-y. Ok, donc, 3. Les abeilles sont bloquées dans un bocal. Il y a un petit trou pour sortir. Une abeille sort. Combien reste-t-il? 3 abeilles sont bloquées dans un bocal. Ok. Il y a un petit trou. Ouais. Une abeille sort, un petit trou. Ouais. Combien reste-t-il? Tu me prends pas la boutique là.
Ils sont montés dans un petit trou, les abeilles? Oh, oui! Oh mon dieu! Il y a zéro! Il en reste zéro dans un petit trou. Trois abeilles sont bloquées dans un bocal. Ah, dans un bocal, ouais. Ok. Il y a un petit trou. Un en sort, combien reste-t-il dans le bocal? Bah, c'était moins évident que je me dise une question piège, quoi. Moi, zéro. Comment ça, zéro? Bah, dans ce cas, il en reste deux dans le bocal. Donc, il en reste deux. Ouais. Donc, c'est ça. C'est ça la réponse? Bah, oui. C'est quoi ce gros débile là? C'est quoi ce jeu? Comment là? Non, en fait, je blague en fait. C'était pas vraiment un truc que je viens d'inventer tout de suite dans ma tête et tout. Et vu le fait que t'as réfléchi pendant 40 minutes dessus, je me suis dit, mais il est sérieux quoi, ça se voit que c'est con quoi. Mais ok, du coup, c'est où la plaie? Du coup, je l'ai pas en fait la plaie. Mais comment ça, tu l'as pas trouvé la route toi? Oh, arrête de blaguer. Oh, je rigole, non, mais en vrai, c'est bon, non, je blague en fait, j'ai jamais acheté la plaie. C'est bon, c'était une blague. Mais il y a une 4 alors. Mais si j'ai jamais acheté la plaie, comment tu veux qu'il y ait un carton? On a une photo, non? Hein? On a une photo. Ah, de la photo? Ouais. Mais c'était un film sur Instagram. Non, en vrai, c'est des bâtards. Tu peux mettre la plaie où tu veux. T'es censé faire croire à ton frère, à ton mec, à ton mari, à tout le monde que tu l'as acheté la plaie. Ça, et dès qu'il bâtard. Arrive et tout, il est dégoûté parce qu'il n'y a pas vraiment la plaie. Putain, ils sont sérieux là. Ah, je suis dead, désolée, t'es fâché? Ah, j'ai voulu passer là, j'ai c'est de me fâcher pour ça. C'est vrai, t'es pas fâché? Je m'en fous. Oh, bah tranquille alors. Je m'en fous parce que tu la paieras quand même la paye. Pardon? Mais si tu la payes, voilà. MDR, mais toi t'es grave. Arrête de... T'es grave. Tu prends grave tes rêves pour la réalité. Mes rêves pour la réalité? Ouais, de ouf. Là. Mais non, mais limite ta réaction parce que du coup c'était un prank. Voilà la caméra là-bas en dessous du truc là. Ah, mais écoute, tu veux que je réalise comment? Tu vois, t'allais péter un pont, t'allais taper les pieds par terre, t'allais dire quoi? Je vais m'appeler! Oula, tu. De oulala! Donc, déjà, tu. Enfin, je suis adulte maintenant, tu sais. J'ai pris de l'âge, hein, je veux dire. Non, c'est pas. Ah, putain, je suis dead. Non, mais c'est nul. Je suis pas insoumis, je vais aller chercher ma caméra. En fait, je sais même pas si je veux la poster, elle est nulle la vidéo. Bah, poste la pas, j'utilise quoi? Attends, tu réagis comment? Comment t'es-tu? Mais je croyais que. Mais attends, ils ont pas créé un filtre comme ça, ils sont sérieux? Montre un peu le filtre, les joueurs. Franchement, je suis dégoûté, les gens. Je pensais vraiment qu'il allait tomber dedans. Il est même pas tombé dedans, il est nul. Il est chiant. Bref. Attendez, je vais essayer de mettre ça là. Bref, du coup, vous savez quoi? Pour la peine, on va être penché. Du coup, le prank il est nul parce que bah, il a sa réaction, elle était naze. En fait, c'est même pas vraiment un prank là, du coup, vu que t'as. Bah, c'est pas un prank, c'est. Je sais pas, je démerde. Bref, les amis, c'est pas grave. Dalia revient stronger than ever dans les pranks et je vais réussir un prank parce que lui. PS5, trop le mec. Attends, je te l'envoie après, tu pourras le garder si tu veux le truc. Et il y en a un autre aussi. Tu lui fais croire que tu l'as carrément ouvert. Non. Franchement, c'est dégueulasse ce qu'ils font. C'est horrible. Il a dit c'est dégueulasse ce qu'ils font, c'est horrible. Bisous tous. Tout le monde. Bref les amis, je vais finir ça en faisant une petite dédicace. Du coup les gens, je prends le commentaire. Enfin, on va passer aux dédicaces en mode 2-2. Je prends le commentaire de Yasmine Mezza. Team DL, force à vous, les ongles viennent de chez la Mala. Souvent je me posais la question à quoi ils pensent. Souvent lorsque Dalia présente ses ongles ou ses cheveux. Vraiment, moi-même parfois quand je vois c'est la tête qu'il fait quand je suis en train d'éditer, quand j'édite la vidéo, regarde ça. Quand j'entends d'éditer la vidéo et que je vois ça, la tête qu'il fait quand je présente, je me dis mais le pot en fait, non, il en a trop marre de moi. Bref, ça c'était un commentaire. Merci beaucoup ma belle pour ton commentaire. Le deuxième commentaire que je vais choisir c'est Yinusa Faisol. Tu finis de l'insulter, ça te suffit pas. Maintenant c'est villageoise et tu viens ajouter pour tout gâter. Non mais franchement cette vidéo comédie elle m'a fait grave rire. Il est trop bête. C'était tellement naturel et spontané. Il m'avait tué ce genre-là. Voilà, du coup merci beaucoup pour ton commentaire. Dark Moon. Alors je me suis senti agressé, je me suis abonné, j'ai liké. Mais tu vois, il faut oublier d'un règlement avec vous. Oublier d'un règlement. Oh mais en tout cas désolé de t'avoir agressé. En tout cas c'est pas du tout pour t'agresser, c'est juste que bah. Tu vois là tu l'as fait et c'est cool quoi, merci. Exactement. À toi. Je prends le commentaire de Michael. Non, de Michel, je mets la suite. Vous êtes formidable franchement. Moi vraiment je kiffe l'accent camerounais. Nyangombo. En fait il voulait dire Nyangombo. Villageois je suis, c'est un Congolais. Donc merci à toi mon gars et force à merci toi. Beaucoup. Du Congo quoi, merci à toi pour ton commentaire.
Ouais, donc les gens, je vais vous laisser parce que bah, il m'a saoulé. Voilà. Dans tous les cas, tous ceux qui ont continué à m'envoyer des idées de prank dans mes DM, continuez s'il vous plaît à m'envoyer des idées de prank ou de vidéos réactions à lui faire parce que là, I'm coming back stronger than ever. Le meilleur des pranks, c'est moi. Bref, la famille. Whatever. Salut tout le monde. On se retrouve pour une autre fois pour une autre vidéo. Bye bye. Salut tout le monde.